Bonsoir, je vais vous lire un extrait d'un roman qui va paraître cet hiver aux éditions Kidam. C'est donc le premier chapitre. Et je souhaitais juste vous préciser, pour la bonne compréhension, que le narrateur de ce chapitre est un jeune homme du nom de Nils. L'avion avait pris du retard au décollage et j'avais dû attendre le dernier train pour l'Orient. Le taxi m'a déposé à Trévéan dans la nuit. Ce n'est pas Lucie, mais Louise qui m'a accueillie. Elle m'a guidée à l'étage de la longère, dans une pièce sans rideau, occupée par une simple table au poignet en cuivre sur laquelle on avait placé un vase rempli de fleurs artificielles. J'ai posé mon sac sur le lit. « À demain, Nils », a dit Louise. « Ma sœur sera là, très tôt. Elle est heureuse de vous revoir. » J'ai répondu que moi aussi, je l'étais. Elle a fermé la porte avec soin derrière elle. À mon réveil, le lendemain, il était presque midi. Dans le miroir placé face à ma fenêtre, j'ai découvert un chêne poussant parmi une forêt de grands pins, et puis, visible entre les branches, la mer. Une mer charbonneuse, sous un soleil cru. Les portes des pièces du couloir étaient toutes grandes ouvertes. Le mobilier y semblait absent. Deux d'entre elles possédaient juste un grand lit assiégé de hauts murs blancs. Je remarquai que seule ma chambre avait été récemment repeinte. J'étais en bas des marches de l'escalier quand Louise et la petite ont poussé la porte d'entrée, essoufflées, l'une aussi rieuse que l'autre était enjouée. Je n'avais jamais vu de photo de Pia, et si je connaissais son existence, jamais je n'avais questionné Lucie sur sa fille. Quand Pia s'avança pour m'embrasser, ses joues rafraîchirent les miennes. Elle écarquilla ses yeux et pinça ses lèvres, tout en serrant étroitement la main de sa tante. « Vous ne l'avez pas encore vue ?» me demanda Louise, qui s'était baissée pour délacer les bottes de la petite. J'eus un bref frisson. « Non, je me suis réveillée tard, m'excusai-je. »« Alors c'est par là, » reprit-elle, en ouvrant la marche, me guidant tout au bout du couloir, poussant la porte entrebâillée, derrière laquelle j'allais retrouver le docteur Lucie Ancel, la femme à qui j'avais écrit une lettre 3 ans plus tôt et qui avait fini par me répondre le mois dernier. « Si vous le souhaitez toujours, » « Nous vous attendons à Trévéan, où nous vivons toutes les trois désormais, ma fille, ma sœur et moi. » Elle se tient debout près de la fenêtre. Son visage n'a pas changé. Elle a juste les cheveux coupés courts et ses épaules sont plus frêles que dans mon souvenir. Durant son séjour à York, il n'est jamais arrivé que nous nous quittions en nous embrassant, ni même que nous manifestions aucun contact physique. Cette fois, nous nous serrons la main, puis... alors que l'inquiétude ou l'émotion aiguise son regard, nous nous étreignons. Une étreinte brève, intense, qui pendant quelques minutes me laisse le sentiment de dériver dangereusement. Sur le seuil, Louise a passé son bras autour des épaules de sa nièce. Le salon semble être la seule pièce aménagée de la maison. De grands tapis à motif floral recouvrent le parquet, des tentures en coton blanc ornent les murs et une table ferme jouxte la porte. Par la fenêtre ouverte, le vent chaud circule dans les arbres. Des branches craquent par intermittence. Les plus légères balancent leur feuillage au-dessous d'un ciel lumineux et gris, un paysage de neige, au cœur duquel se serait caché, prêt à éclater, un soleil énorme. La mer, dans la baie, reste visible et attirante. Au loin, 3 ou 4 personnages s'y baignent. Lucie s'est assise dans le canapé, je suis face à elle. Au début, je la sens réticente à mes questions, même les plus anodines. Sa sœur a amorcé la conversation sur la vie à Trévéan et plus précisément sur l'emploi de barmaid qu'elle a trouvé à l'Orient. Et c'est elle aussi qui, de fil en aiguille, par comparaison sans doute avec leur vie nouvelle, nous amène vers leur enfance. L'enfance des sœurs Ancel, dit-elle avec ironie, à Romainville, où elles ont vécu au milieu d'une zone industrielle. La balançoire, les rideaux noircis par la pollution, le passage incessant des camions, les nuisances, jour et nuit, une drôle d'enfance. Pourtant, nous l'avons aimée, notre maison de gardiennage. L'été, les parents envoyaient leurs filles dans la campagne anglaise, un autre monde, une autre vie qu'elles attendaient avec bonheur. Louise vient d'emmener Pia avec elle dans la cuisine. L'alcool que me sert Lucie me monte un peu à la tête, je me sens calme, presque bien. Je ne frissonne pas encore à l'idée de nommer l'amie pour qui j'ai fait ce voyage, voulant la retrouver, elle. Elle a relevé son visage. Je sens ma respiration, puis la sienne. Je m'efforce à la distance qu'il faut. Je lui demande si, comme sa sœur, elle a retrouvé ici un travail, des passions,
si elle aime vivre loin de Paris. Je me dis qu'elle ne me renverra pas, en se souvenant que je ne l'ai jamais refoulée quand elle est venue s'immiscer dans nos vies. Elle ne sait pas que j'ai tout mon temps, qu'aucune urgence ne m'a guidée à Trévéane, sinon ce désir de la revoir. À ces réponses succinctes se mêlent les rires de la petite côté cuisine et le vent dans les feuillages au dehors. « Je vais, je viens, dit-elle, mais un jour j'espère vivre entièrement ici. » Je ne devine pas encore si j'appartiens à ses yeux au passé, si elle voudrait maintenant qu'elle me voie revenir en arrière et endiguer heure après heure la course qu'elle a menée autrefois à York, ou bien si son plus profond désir est de me refouler. Louise réapparaît dans le salon pour garnir la table de couverts et d'une tourte au bacon. Pia la suit, apportant à son tour une corbeille de fruits. À chaque fois que la petite demande conseil, sa tante réagit avec un vif intérêt. Lucie s'est installée à table comme une étrangère. Tout le temps du déjeuner, la conversation se concentre à nouveau sur l'enfance des sœurs Ansel. S'agit-il d'un accord tacite entre elles, avant même mon arrivée? Une décision de l'une ou de l'autre, plus ou moins consciente? Je sais en tout cas que c'est une période de la vie de Lucie qui n'est pas taboue entre elle et moi, quoi que fût cette enfance. Je sens que je peux m'aventurer de ce côté de son existence sans réticence. Le déjeuner est doux, anecdotique, presque gai. Ce n'est que dans l'après-midi, à la faveur d'une longue marche à deux, que Lucie Ansel et moi retrouverons la familiarité qui nous a unis à York. Mais même là, au cœur de la confidence, l'impression que quelque chose d'elle résiste à m'écouter tout à fait me déconcerte. La manière dont je voudrais évoquer l'ami pour qui je suis venue ici s'obscurcit. Lucie marche à mes côtés. Le col de son chemisier à manches courtes fronce à la moindre variation du vent. Il fait chaud, orageux, et comme il va sans doute pleuvoir, elle a noué un caouet à sa taille. Je ne sais plus comment elle a commencé à parler d'elle, ni de l'ordre, ni des mots exacts. Je lis sur ses lèvres plutôt que j'entends de manière sûre et audible ses paroles. Ce qu'elle se remémore remonte à si loin, bien avant qu'elle soit une femme, bien avant même sans doute qu'elle soit une adolescente flirtant avec les garçons de son lycée. « J'ai désiré toute ma vie la complicité totale avec un être, dit-elle. » Elle ajoute que très jeune, elle ne savait pas trouver l'intensité en dehors des corps et du présent. Dès que le corps du garçon s'absentait, il cessait d'exister. Son souvenir même s'évanouissait et disparaissait. « Je les oubliais comme ils m'oubliaient, dès qu'on se tournait le dos, dit-elle. » Mais en même temps qu'elle éprouvait ces faits concrets si déroutants, il y avait déjà, dès l'enfance, cette voix et cet autre corps qui la bouleversait. Elle voyait son visage. Je reprends. Le visage de quoi? De l'amour? Elle sourit à ma question, hausse une épaule. Elle dit, ce que chacun de nous vivions en secret au quotidien, il ne le vivait pas seul. Une présence que nous étions seuls à sentir, lui et moi, nous accompagnait tout le temps. Elle eut pendant toutes ces années des éclairs de lucidité. À l'école de médecine, elle connut deux ou trois amants, puis plus tard, elle fut entourée de couples qui privilégiaient leur couple. Elle continua à ressentir cette présence absolue, jusqu'au jour, me confie-t-elle, où elle passa de l'autre côté. C'était son premier stage en psychiatrie. Dès les premiers jours à Saint-Maurice, elle s'est sentie vidée, brutalement vidée, et pour la première fois, terriblement seule. Une fille solide, en pleine maturité et seule, murmure-t-elle, en riant. En vérité, j'aurais dû voir que la place était vide depuis toujours. Devant nous, la mer se zèbre de mousse blanche, là où les nuages s'amoncellent, rapides, et l'obscurcissent presque totalement. Quand j'ai quitté à la fin de l'été 2001 le centre psychiatrique, je ne savais plus où j'habitais. Ce que j'ai vécu là-bas a fini par être plus réel que les années qui ont suivi. C'était mon premier stage, mes premiers patients. Eux et moi étions si jeunes et proches. Lucie a fini par parler de lui, mon meilleur ami, son jeune patient, d'alors. Peut-être est-ce cela, après tout, que je suis venue saisir et que je n'ai pas été capable d'entendre à York le début de leur histoire à Saint-Maurice. « Et vous, dit-elle, vous n'avez jamais eu envie de connaître Saint-Maurice, le château, comme on l'appelait ?» Alors qu'elle ôte chemisier et pantalon pour glisser bientôt dans la mer, je lui réponds. « Non, jamais. Pour moi, c'était le lieu qui m'avait volé mon ami d'enfance. Mon ami, ai-je répété, comme si prononcer son prénom aurait pu provoquer l'éloignement de Lucie Ansel, engloutir ce qui reste de sa confiance. Vous ne voulez vraiment pas venir, Nils? Non, je vous regarde. Son corps ondule quelque temps et s'éloigne vers l'horizon.
Sous ses cheveux dorés, son visage éclairci et revivifié par le hachoir des vagues me paraît jeune. Quand elle revient sur la plage, essuyant joue, nez et épaule avec son chemisier, mon cœur bat plus vite. Je lui prête ma veste. Elle frissonne, elle dit « Vous êtes venu m'annoncer qu'il n'y a plus personne là-bas, n'est-ce pas ?» J'acquiesce. Après le procès, la maison des Volpes a été vendue. Ils ont quitté le pays du jour au lendemain. Aujourd'hui, personne ne sait où ils se cachent. D'autres baigneurs remontent vers la plage. Nous rentrons à Trévéane, saoulés de moiteur et de vent, gorge et nuque raide, sans un mot. Pas même sur mon retour en Angleterre, prévu le soir même. Elle vient de s'accouder au bord de la fenêtre du salon. Des mèches encore humides forment comme de petites griffures de chat sur son front. Nos échanges deviennent épars, des murmures de fugitifs, ai-je pensé. Pia et sa tante ont délaissé leur jeu de cartes. Louise s'est dirigée vers nous. Sur la mer qui s'est assombrie, un navire de croisière, pont et timonerie illuminés, avance vers Trévéane. Je crois d'abord que c'est un navire qui les attire. Mais à leur corps tendu, à leurs yeux frappés un instant de stupeur, je comprends qu'il y a autre chose. Sur le chemin des douaniers, à une dizaine de mètres, un jeune garçon est en train de fouler le sol. Il est torse nu et tient une serviette de bain à la main qu'il serre contre sa hanche, tout en ne cessant de fixer notre bâtisse. Une femme le suit de quelques pas, sa mère probablement. Nos trois silhouettes les ont attirés. Le garçon contrôle sa respiration, s'arrête puis reprend sa marche. À force de presser le pas et de ne pouvoir détacher ses yeux de notre fenêtre, il finit par trébucher. La femme prend sa serviette et lui essuie les grains de poussière qui se sont incrustés dans ses paumes à l'endroit de la peau entaillée. L'un après l'autre, il jette un coup d'œil dans notre direction. Puis la femme pose sa main sur l'épaule du garçon, donne une pression pour qu'il avance. Ils disparaissent sur le sentier. Non, me défie Lucie en selle. Non, ce n'était pas le fils d'Hector. Il lui ressemble, en fait, à peine. Elle paraît sur le point d'ajouter « Vous y avez cru, vous aussi, n'est-ce pas ?» Sa tension se relâche d'un coup. Ses yeux enfiévrés me traversent. Pia s'impatiente. On joue, comme n'importe lequel d'entre nous aujourd'hui. Elle ne veut pas être seule. Fourrant ma montre dans ma poche, je m'assieds à la table de jeu. Maintenant, j'ai tout mon temps pour savoir ce qu'il s'est passé cet après-midi du 4 juillet 2016 en bas de la colline de Hurlevent.